Ah, qu'est-ce que je peux dire à ça? Que c'est juste magnifique. L'idole dehors. Waouh. Très très joli. Waouh. Et puis il y a du poids en plus, c'est du 1 sur 1. Franchement, j'ai rien à dire, le mec. Un vrai professionnel. Alors, t'as l'impression qu'il sort directement du studio, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ah, franchement, il est très joli, très sympa. Couleur là, c'est splendide. On jouait de la harpe dessus, tellement que c'est beau. Ah, franchement, c'est magnifique. Oh là là, il a fait un sacré truc. Regardez-moi ça, cette qualité de fou. Ce n'est plus que c'était une sorte de visage qui était en dessous, là. C'est forcément une femelle parce que bah oui, comme il y a des nichons. Et oh, les couleurs sont très très jolies. Hein. Franchement, il a fait fort. Waouh. Puis en dessous. Alors il y a du poids. Hein. Je sais pas combien ça pèse, mais ouais, je sais pas. 500, 600 grammes, 700 peut-être. Je sais pas. Il y a du poids quand même. Hein. 1 kilo, je pense pas, mais dans les 700-800 grammes, oui. Ça doit être un truc comme ça. Ouf, que je sais pas. Je vais dire entre ouais 700 grammes et 1 kilo, mais je sais pas vraiment en fait. 700, 800. Magnifique, hein. Putain, les couleurs sont belles. Par rapport à ma main, vous voyez. Je suis bien content de l'avoir. Parce que je me suis retapé il y a pas longtemps le 1, c'est ça qui est magnifique. Le 2 est très bon aussi. Dans les 5, c'est mon 3, mon préféré. Et ça restera le 3. Alors peut-être plus tard, je prendrai le Saint Graal, mais je sais pas, je vais voir. À dire que j'en avais revendu comme d'un con. Et par contre, celui que j'avais avant, c'était aussi l'Idole d'Or, mais il était moins beau que ça. Là, celui-là, il est pour le prix et tout, je mettrai le lien. J'ai fait des belles photos, vous allez voir, avec la webcam, et franchement, il est extraordinaire. Oh, quel truc. Quelle pièce. Oh, franchement, il est très très joli. J'ai même épaté. Hein. Le mec, c'est un pro. T'as l'impression. Je me demande même s'il n'y a pas un petit peu légèrement du plaqué or dessus, mais je suis pas sûr. Je lui ai payé dans les 150, 160, et franchement, pour le prix, payant 4 fois évidemment avec PayPal, c'est largement le coup. Hein. Dans les 5 films, moi je vais vous dire, mon préféré c'est le 3, le Saint Graal, j'adore ce film-là, peu importe les critiques, parce que t'as quand même des gens qui arrivent à critiquer ce film-là, enfin bref, je suis quand même assez passionné de tout ça. Et le dernier, bah écoutez, moi le dernier, j'adore la fin. J'ai trouvé même que la fin du dernier Indiana Jones, elle est géniale. Puisque ça me fait penser au programme spatial secret de Michael Sala, l'alliance extraterrestre. Hein. Oui, là je te parle de livres ufologiques. Hein. Là, c'est pas de la science-fiction. Hein. Donc, parce que le passé, le temps, l'espace-temps, autre temps, tout ça, pour moi, c'est la réalité. Hein. C'est pour ça que je pense que dans ce film-là, dans le cinquième, et j'ai trouvé ça magnifique au moment où il se retrouve au temps des Romains, en l'an 213, je sais plus, enfin l'an 200, je sais plus quelle année. J'ai trouvé ça magnifique ce passage-là, parce que j'ai pensé à moi, j'ai pensé à plein de trucs. Le 4, j'ai adoré avec les extraterrestres, évidemment, et ça me parle, parce que j'adore l'ufologie. Donc je peux pas passer à côté, même s'il était critiqué à mort. Mais dans les 5 films, le dernier, faut pas oublier que c'est quand même bien cassé la gueule, malgré tout. Même peut-être qu'au box-office mondial, c'est peut-être rattrapé, je pense, mais je suis pas sûr que ce soit Je pense que c'est quand même bien cassé la gueule, mais alors, malgré tout. Mais le quatrième, et c'est ça qui me fait toujours rire, ouais, les effets spéciaux, tout ça, ouais, bon. Non, c'est parce que derrière, c'est ufologique, et ça, je le sais très bien. Il n'y a pas que ça. Et puis, de toute façon, dans les 5 films, le quatrième, c'est lui, c'est le crâne de cristal, c'est celui qui a mieux marché. De tous les 5 films, c'est quand même curieux, non? Voilà.
Enfin bref, je préfère passer à autre chose parce que des fois ça me gonfle. Et franchement, il est magnifique. Waouh! Bah, c'est vrai que le vin est extraordinaire. Je l'ai aussi retapé après temps. Oh putain, les couleurs sont belles. On dirait de l'or. Hein. On dirait vraiment de l'or. Hein. Je pense qu'il doit y avoir un tout petit peu de plaqué or dessus, mais je ne suis pas sûr. Ou de la fibre. Vous savez, des petites feuilles comme ça qu'on colle là, comme au château de Versailles, ça, quand vous, bon, voilà, les châteaux, ils remettent un petit peu de. Des petites feuilles d'or dessus. Regardez l'aspect de l'œil. Avec le doigt, ce que ça fait. Oh, c'est magnifique. Et c'est du vin sur un. Je suis bien content. Extraordinaire. Très, très joli, très sympa. Putain, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est joli, que c'est joli. Waouh. Du coup, j'ai bien content, c'est du bien sûr. Hein. De toute façon, je vais faire des photos. Vous savez, la dernière fois, j'ai eu le Durama, là. La figurine Hasbro. Bah voilà, comme ça va compléter le truc. Derrière, je mettrai la maquette à côté. Avec les photos, vous allez voir, c'est. Ça va être assez rigolo. Enfin, je vais essayer. Je suis bien content de l'avoir. En plus, je vais encore se faire des trucs de Indiana Jones, mais pas maintenant. Bon, là, c'est des produits dérivés, mais ils sont très jolis aussi. Toujours du 1 en plus. Mais bon, je ne vais pas commencer à tout acheter parce que j'ai tellement blindé dans ma chambre, partout dans mes pièces. Tout ça. Avec tout ce que j'ai, Robocop, les Terminators, les Predators, les Aliens, les films d'horreur, Chucky, etc. Ça, saut. Les films d'aventure, Tomb Raider, tout ça, je peux en montrer tous les dans le coin. Là-bas. Voilà. Vous voyez ? Tomb Raider, tititata, tout ce que j'ai ici, franchement. Voilà. C'est un truc de fou. Hein. La mouche. La chose. Voilà, en tout cas, je suis bien content de celui-là, c'est magnifique, ça se fait très bien avec l'affiche en plus, c'est hyper classe. Putain. Vachement content. Je vais le mettre au milieu, là, juste ici. Mettre comme ça, un truc comme ça, entre la momie, voilà. Ouais, je pense que je vais le mettre comme ça, juste au milieu, et il est très très bien. Waouh. Ouais, super. Allez, viens ici, pépère. Allez, je coupe là. Voici le lien du vendeur, du fabricant, c'est lui. C'est sur Etsy, hein, Etsy.com, vous allez trouver. Voilà, Dark Matter Pro. Bon, mon anglais chez nul. Hein. Voilà. Il s'appelle Michael Spurgeon. Voilà, créateur, directeur, etc. Et Grisel, Richel sont peut-être à deux, je crois. Ouais, sûrement. Sur Etsy, Hotmail, Etsy. Allez sur Etsy, parce que bon, après, moi, je parle pas anglais, mais non. Tiens, il y a même sur YouTube, j'ai pas été voir. Tiens, YouTube, hein. Oh, j'aille voir Facebook. Voilà. Je ferai une photo de ça. Allez, je coupe. Bien content de l'avoir. Et ça fait belle lurette que je recherchais un, mais vraiment magnifique. Ah ben, je l'ai. A plus, merci, superbe, cool. Merci. À bientôt, je sais pas quand. Alors là, j'en sais rien. A plus.